Bonjour à tous et bienvenue dans lundi Logis, c'est Gaël et aujourd'hui on va parler d'un nouveau logiciel et cette fois-ci comme la dernière fois d'ailleurs on va parler d'un logiciel d'automation radio, c'est-à-dire que vous allez pouvoir diffuser vos jingles, vos musiques, faire des directs, faire des enregistrés, faire du voice track, bref, ça va être sympa. Alors c'est un logiciel un peu différent de celui qu'on a vu la dernière fois. Déjà, il n'est pas sur Windows, mais ne vous inquiétez pas, je vous montre comment vous pouvez l'installer au côté d'un Windows, au côté d'un Mac si vous avez un Mac, etc. etc. Il fonctionne sur Linux. Mais vous pouvez le mettre soit en boot au démarrage avec votre système d'exploitation, c'est-à-dire que quand vous allumez votre ordinateur, vous pouvez choisir Linux, Windows ou Mac, hein, voilà au choix, ou bien directement sur une machine virtuelle. Je vous montre ça. Évidemment, on en parle un petit peu plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas de Linux que vous n'êtes pas à l'aise avec Linux, que vous n'allez pas pouvoir suivre ces tutos. Essayez ce logiciel et surtout l'adopter. Voilà, je vous le garantis, ça va être sympa. C'est un logiciel 100% gratuit, très auto qui vous permet de travailler sur un ordinateur euh, en local mais aussi sur un réseau d'ordinateurs ou bien directement sur internet via un serveur. Voilà, c'est plutôt sympa et tout ça c'est entièrement gratuit, paramétrable à 100% puisque c'est open source également, c'est-à-dire que vous avez accès au code. C'est sympa comme tout. Ce logiciel, eh bien je vais vous le présenter en trois points. D'abord, la présentation générale graphique comme on fait à chaque première vidéo. La deuxième chose qui est intéressante et importante, c'est comment on l'installe, parce que vous n'êtes pas tous des, des, des habitués de Linux. Et puis enfin, la troisième chose pour ceux qui auraient quelques problèmes lors de l'installation, et notamment du son, on va régler ça parce que eh bien, ce logiciel passe par un moteur de son, on va simplifier tout ça, euh, qui s'appelle Alsa et Alsa euh, prend en charge que quelques que carte son et par exemple moi ici je suis sur une machine virtuelle en ce 2 octobre et euh, bah voilà et ma carte son n'est pas prise en charge donc je vous montre comment ça marche et comment on fait pour que bah elle soit prise en charge. OK Donc voilà donc les trois parties qu'on va voir dans cette vidéo vous choisissez celle qui vous plaît. La première chose c'est quand même de vous appâter un peu en vous montrant à quoi ça ressemble. Donc ce logiciel c'est Rivendell. Ce nom vous dit quelque chose si vous êtes fan de Tolkien puisque Rivendell a été traduit en fond de combe hein, la fameuse fond de combe de de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, et eh ben ouais, c'est comme ça. Petit clin d'œil évidemment de nos amis Linuxiens. Donc on a ce logiciel qui s'appelle Rivendell. et ça par exemple c'est l'interface administrateur, ok, euh, animateur pardon, l'interface animateur. Et donc ici vous avez la date qui défile avec le nom, d'accord? Ici, on a bien évidemment euh, un petit vue-mètre. Euh, ici, on a un petit bouton très sympa pour le manuel. C'est-à-dire que chaque piste, ou ici, ça va s'arrêter. Mais vous pouvez aussi le mettre en direct assist. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, va enchaîner certaines choses et pas d'autres. Hein. C'est vous qui choisissez. Et puis, vous pouvez le mettre en automatique pour qu'il enchaîne tout le direct assist. Par exemple, là, vous êtes en, en manuel. Vous êtes en train d'animer tout ça avec votre intervenant. Vos jingles qui partent ici et là, etc. Et puis, hop, ah c'est l'heure de la pause café il y a la pub et puis la pause café qui arrive et ben bah vous allez enchaîner la pub par exemple avec euh, je sais pas la première musique et un jingle bah vous mettez en direct assiste, vous programmez tout ça et vous allez boire votre café voilà pour l'anecdote hein, avant quand il n'y avait pas d'ordinateur comment on faisait pour aller boire un café pendant son émission Eh bien on mettait Dalida avec Gigi Lamoroso 7 minutes de titre qui nous permettait tout simplement de souffler un peu pendant l'émission ou d'aller aux toilettes hein, pour certains <laughs> Fallait bien ça pour d'autres. En tout cas, voilà. Donc petite anecdote, hein, mais voyez que que c'est un logiciel plutôt complet. Vous avez un cartoucheur ici avec plein de petits panels euh, voilà vierges hein, que vous pouvez en mettre. Donc là, il y en a quand même 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fois 1 2 3 4 4, 5, 6, 7. Voilà, je vous laisserai faire le compte, multiplié par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça fait quand même un paquet de cartouches. Évidemment, comme je suis logué en Gaël, ce seront les miens. Mais si jamais vous vous loguez en Stéphane, en, en Cyrielle, en Maritza, en Laurence, en ce que vous voulez, bah hop, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pourrez bien évidemment avoir ici euh, vos propres cartouches. Sympa, n'est-ce pas On va revenir sur le principal et quand on clique dessus, bah, vous voyez, on peut lire la musique ou la arrêter comme ça on peut choisir de jouer tout ou bien de jouer les marques par exemple ça peut être pratique en jouant les marques pour euh, lancer un hook par exemple dans un instant il y aura ça et hop on choisit de jouer les marques et de mettre uniquement par exemple le hook du coup ça va donner un extrait uniquement de tout ça on en a longuement parlé dans la session précédente Ensuite, vous pouvez bien sûr configurer. Donc, configurer, vous cliquez. Ce qui est bien, c'est que ça clignote. Ça veut dire que vous voyez bien que vous êtes en configuration. Et là, quand je clique sur la fiche, vous voyez, ça change le comportement. J'ai le nom ici, mon cartouche. Je peux changer bien sûr de son, effacer le son, choisir la couleur. Donc, ça pose aucun problème. On fait comme on veut. Et puis on peut cliquer sur OK ou sur Cancel si on le veut. Voilà, donc ça c'est plutôt cool hein, et euh, ça marche bien. Une fois qu'on a fini sa configuration, on fait ça, puis ça revient euh, à ce qu'on avait vu au départ. Voilà, j'espère que vous avez le son. En tout cas, moi je l'ai. Euh, voilà, parce que j'ai pas vérifié avant de lancer l'enregistrement si vous aviez du son parce que c'est pas très important finalement dans cette vidéo. En tout cas, voilà, donc vous avez toute cette partie là. Vous avez la possibilité de gérer le voice track directement d'ici. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez aussi ce qu'on appelle les logs, ce qui a été diffusé aujourd'hui, ce qui a été diffusé sur le log principal donc à l'antenne ou aussi sur le auxiliaire 1 ou auxiliaire 2 voilà donc vous avez tout un tas d'options on reviendra sûrement là dessus dans les prochains temps voilà donc les infos que je voulais vous donner vous avez un logo ici pour votre radio et puis un petit logo ici que vous pouvez changer également vous avez la possibilité d'ajouter de supprimer de déplacer ou de copier des morceaux par exemple on va en ajouter un tac on va reprendre toujours celui là et eh bien il me dit où où est ce que je veux le mettre est ce que je veux le mettre dans mon cartoucheur où est-ce que je veux le mettre ici tout simplement eh ben je vais le mettre là dans le premier titre par exemple voilà et puis je vais reprendre le même morceau par exemple hop ici je peux le préécouter écouter et je peux le mettre aussi bah tiens, là par exemple hop voilà tout simplement d'accord et donc ça marche si je le lance là ok ça marche aussi si je le lance là ça pose aucun problème d'accord donc ça c'est plutôt cool voilà vous pouvez aussi prendre votre son et le glisser voilà bon je pense qu'on a à peu près tout fait pour supprimer. Bah C'est pareil, vous supprimez ce que vous avez à supprimer, vous déplacez ou vous copiez. Je pense qu'on a quand même pas mal euh, fait le tour. Voilà. Donc on viendra rapidement et succinctement là-dessus, mais voilà, c'était pour vous donner une, un, un aperçu rapide. D'accord. Vous avez euh, chose que, qui est plutôt sympa, des possibilités de mettre le logging. Alors par défaut, vous ce sera admin, A-D-M-I-N, d'accord. Vous tapez sur entrée et vous avez tout un, un tas de logs admin ici que vous pouvez gérer, d'accord, manager des users. Donc moi je me suis donné par exemple un petit user ici, d'accord, Gaël, et je me suis donné, quand on le voit, tous les droits. Voilà, je suis administrateur avec tous les droits. Donc ça c'est plutôt cool, ok. Donc vous voyez, on, on peut faire vraiment pas mal de choses. On peut, là, du coup, je peux me connecter. Alors moi je me suis pas mis de mot de passe parce que comme je suis seul à utiliser la machine, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que dans le principe, bah, si j'ai envie de, de modifier mes droits, bah, du coup je suis administrateur, je fais ce que je veux. Et top. Voilà. et donc après, vous avez tout un tas de choses pour paramétrer votre façon de fonctionner, donner des droits à certains qui seraient programmateurs musical, qui ne seraient pas les mêmes droits que pour le media planning, qui ne seraient pas les mêmes droits que pour le voice tracker, etc. etc. Voilà, après, c'est un peu vous qui choisissez, d'accord Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous avez aussi la librairie, je vous l'ai présenté tout à l'heure succinctement. Et donc cette librairie, quand vous regardez bien, vous avez ici la possibilité d'avoir des musiques, euh, des beds voilà. Vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Donc moi j'ai tout mis en musique pour l'instant, mais vous pouvez choisir avec des scheduler du code. Euh, pour ma part, par exemple, j'ai mis mes catégories. Donc si je cherche dans news, par exemple j'ai ça. Si je cherche dans all du coup j'ai tout ça, etc., etc. D'accord Vous pouvez sélectionner, écouter, en ajouter. Vous pouvez bien sûr faire tout un tas de petites choses quand on va dans ajouter. Par exemple, il nous propose d'ajouter une nouvelle carte. Voilà. Ici pour l'instant il n'y a pas info mais quand vous faites import et que vous sélectionnez un fichier à importer donc on va aller par exemple choisir celui-ci dans mp3 on va aller dans récurrent n'importe quoi on va prendre tiens euh, axel Bauer, ici l'ombre je vais faire ouvrir d'accord là je peux choisir d'importer les méta tags ou pas je peux choisir de couper le début ou pas de normaliser ou pas je mets import il va travailler un petit peu parce qu'il doit travailler le son ça peut prendre un peu de temps puis il va me remplir les différents méta tags qu'il a retrouvés qu'il repérer et comme ça ça va bien fonctionner je peux bien sûr aussi lui rajouter tout un tas d'informations des petits marqueurs des choses comme ça par exemple si je vais dans edit marqueur ici vous voyez que j'ai accès à la totalité des informations pour mettre eh bien je ne sais pas moi une à trop pour mettre autre chose ok et puis une fois que c'est validé hop je fais ça mais on reviendra dessus une prochaine fois bien sûr ok donc ça c'est cool et puis on a aussi ça. ça c'est plutôt intéressant donc c'est tout simplement notre manager qui va nous permettre de, de faire des événements. Alors je n'ai pas vraiment fait des événements type bah tiens, lance une rubrique à ce temps-là, etc. Je fais des événements type. Euh euh, comme ça, hein, vous voyez avec mes, mes catégories, par exemple. Et donc, on peut les, les créer, les, les modifier, faire ce qu'on veut dedans. Ici, on peut éditer notre horloge. Par exemple, j'ai fait une horloge que j'ai mis une petite couleur en rouge, comme ça. 6 heures, voilà. Elle a un code qui s'appelle S06. Et donc, ici, j'ai commencé à faire mon horloge. On peut donc lui donner sa couleur. On peut lui mettre les règles de diffusion de ce qu'on veut et tout ça. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Vous allez voir que ça fonctionne différemment de Radio Boss pour les règles de diffusion. Je ne suis pas forcément tout à fait euh, open à ça. C'est une autre manière de penser. On verra ça ensemble, hein, bien évidemment. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous passez à l'étape suivante. Et là, vous définissez votre grid, tout simplement. Zut, c'est pas bon. Ici, hop. Et vous voyez que j'ai mis mon horloge S06. Ici, nos 6 heures à 7h. Voilà, on peut définir évidemment ce qu'on veut. Hein. Là, bon, j'en ai qu'une, donc je fais ça. OK. Hop. Mais si je n'ai pas envie, eh ben, je fais clear et hop je valide et c'est clear. D'accord On viendra là-dessus évidemment. Et puis enfin, eh bien, vous avez la possibilité de générer des logs et tout ça. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'apprendre ce logiciel. On va le découvrir pendant les prochaines semaines. Alors c'est pas comme Radio Boss où les options sont limitées. Là, il y en a un vrai, vrai gros paquet parce que ça fonctionne aussi sur réseau et tout ça. Donc on ne verra pas tout dans le détail, mais on verra quand même la majorité. Puis après, bah, au fur et à mesure, hein, on complétera en fonction des questions que vous aurez. Ok, on va passer à la partie 2 maintenant, qui est donc l'installation de ce logiciel. Alors d'abord, la première chose que vous pouvez faire, bah, c'est déjà aller sur Internet, sur le site officiel de Rivendell. Et là, je regrette d'avoir appuyé, parce que bah, forcément, en, en appuyant, et comme je n'ai pas Internet, ça met trois plombes à ouvrir. Voilà, ça y est, ça arrive petit à petit. Et donc là, euh, bon bah, il va me dire qu'il faut restaurer ma session. Voilà, essayez, c'est est fait, on y arrive. Donc vous allez sur le site de Rivendel.org. Euh, non, on veut pas traduire, on n'a pas besoin. Et ici, vous avez un site type Linux, évidemment, un simple, efficace, qui va droit à l'essentiel sans furiture, comme sur Mac ou sur Windows, où vous avez des images qui sautent de partout, qui sont soi-disant super belles, mais super lourdes à gérer. Ici, vous avez un condensé d'informations, ce que j'apprécie particulièrement. Ici, vous avez les documentations, l'installation, le source code, si vous souhaitez modifier le logiciel, pourquoi pas. Voilà, vous en faites vraiment ce que vous voulez, et les différents modules, on ne les a pas tous vus. Ici, vous avez les informations concernant le minimum requis. Euh, personnellement, je suis sur une machine virtuelle. Ouais, je dois être un petit peu au-dessus de ça, hein. mais euh, voilà, bon, euh, ça marche très très bien. C'est du Linux. Hein. Je vous rappelle que Linux c'est quand même beaucoup plus léger et performant que Mac ou que Windows parce que ça nécessite moins de performances graphiques. Et puis c'est plus sécurisé. Vous n'avez pas besoin d'un antivirus ou d'un firewall qui tourne en rond, etc. Linux c'est naturel, quoi. Hein. Pour les autres, évidemment, ils sont tellement vérolés, failles de sécurité et compagnie et compagnie que Mac OS ou Windows c'est une véritable cata. Il faut absolument avoir un antivirus. On va poursuivre avec l'installation. Donc pour l'installation, bah c'est très simple. Voilà, vous, vous cliquez en fait sur le, sur le lien d'installation et en fait il vous dit que vous pouvez l'installer. Donc moi, je suis sur euh, Ubuntu. Hein, donc j'ai installé cette version-là. Même si j'ai une vieille version de, de Linux Mint, mais que j'ai pas mis à jour sur mon ordinateur, donc j'aurais pu vous montrer ça. Peut-être la prochaine fois. En tout cas, voilà, Linux Mint, il a l'avantage, c'est joli. Alors vous allez me dire, mais quelle est la ressemblance, la différence Je crois que c'était Linux. Alors il faut savoir qu'en Linux on n'a pas des versions comme sur Windows, par exemple. Eh bien, on a euh, sur Windows, Windows 8 a remplacé Windows 7. Windows 10 a remplacé Windows 8.1. Windows 11 a remplacé Windows 10. Le 12 va remplacer Windows 11, etc., etc. Sur Mac, c'est pareil. Lion, Sierra, etc., etc. Hein vous avez évidemment euh, à chaque fois quelque chose qui écrase. Sur Linux, en fait, vous avez un, un noyau, donc une base. D'accord Et à partir de cette base, il y a plein de gens qui développent des tas de projets. Vous avez par exemple des... Projets c'est spécialement créé pour les studios de son. D'accord Pour faire de l'enregistrement, euh, de la musique, des voix et tout ça. Vous avez des euh, distributions qui sont créées spécialement pour l'image, le cinéma. D'autres qui sont créées spécialement pour le traitement de texte. D'autres qui sont un petit peu comme celle-ci, un peu euh, style Windows, comme Zorin OS aussi, qui est très légère et qui fonctionne un peu comme un Windows. D'ailleurs, vous pouvez, sur certaines d'entre elles, et notamment sur Zorin, eh bien, installer des euh, logiciels Windows aussi dessus. Pas tous, mais une bonne partie. Voilà. Donc, il euh, y a vraiment pas mal de choses... Et en fait, chacun, chaque développeur aime développer gratuitement, en général, ses propres fonctionnalités. Et du coup, vous avez plein de ce qu'on appelle des distributions, mais on va dire que c'est des versions de Linux. Elles sont côte à côte. Hein. Il n'y en a pas une qui supplante les autres, etc. D'accord? Donc voilà, là, vous avez deux possibilités. D'ailleurs, il me semble que Linux Mint est un dérivé à nouveau de Ubuntu. Ce sera à vérifier parce que je ne me souviens pas. C'est tellement compliqué ces histoires-là. Sinon, vous pouvez faire aussi sans parties graphiques avec CentOS 7, par exemple. Exemple, et Red Hat euh, Linux Entreprise pour le 7 ou pour le 8, ou même Rocky Linux 8. Vous voyez, il y a quand même pas mal de distributions. Il y en a au moins 4, 6, 6 qui tournent avec ce logiciel. Donc vous avez l'embarras du choix. ok Donc euh, voilà, bah après vous allez euh, vous poursuivre un petit peu, voir comment ça, ça fonctionne hein, pour avoir la possibilité d'installer votre Linux et euh, puis après le, le programme évidemment. Mais pour le programme, on va l'installer ensemble. Donc euh, pour Linux, vous le savez, ça se passe beaucoup par les lignes de commande tout comme sur mac d'ailleurs mac os hein. donc pour ça un petit clic droit ici et puis vous faites ouvrir le terminal d'accord ou bien vous faites un contrôle alt et en même temps vous appuyez sur la lettre t contrôle t et vous arrivez sur ici votre petit terminal à partir de là qu'est ce qu'on va faire et eh bien on va copier trois lignes de code seulement trois lignes de code pour installer rivendell vous voyez c'est pas très très compliqué donc moi je vous ai fait un petit fichier d'install je vous mets le code de ce fichier d'install, ces trois petites lignes directement dans la description. Voilà. Sinon, vous les trouvez aussi dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Il suffit de suivre les données qui sont données ici. Donc, ici, rapidement, eh bien, vous avez un WGET, donc qui va en fait envoyer une requête à ce serveur ici pour télécharger le fichier ici. D'accord? Et euh, attention, laissez bien le euh, espace p euh, espace point à la fin parce que ça fait partie de la ligne de commande d'accord et puis ensuite vous avez le chmod qui permet de modifier les droits utilisateurs hein, droits d'écriture etc etc donc euh, voilà sur le fichier qu'on vient de télécharger et ensuite seulement il va installer le fichier et c'est là qu'il vous demandera votre mot de passe parce que sur Linux c'est comme sur Mac ou plutôt Mac c'est comme sur Linux puisque Mac vient de du monde Unix hein, ils ont euh, pris un truc gratuit puis ils vous le font payer très cher c'est le principe donc euh, voilà, c'est pareil dans les deux cas, il faut absolument mettre son mot de passe à chaque fois qu'on installe quelque chose. Donc là, vous faites un petit clic droit ici sur ce que je vous mets dans la description, et vous faites un petit clic droit ici, coller, vous appuyez sur entrée. Et ça va, vous voyez, télécharger automatiquement, passer à la ligne suivante, et ici, hop, vous proposez votre mot de passe pour pouvoir installer ici votre fichier. D'accord Donc votre mot de passe ici, vous, bah c'est le mot de passe de votre session hein, que vous avez fait en créant votre machine Linux. Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez la possibilité ici de mettre euh, un petit menu. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu, mais quand j'ai tapé mon mot de passe, on ne le voit pas, c'est tout à fait normal. Hein. Ça reste blanc, c'est pour pas que quelqu'un puisse connaître la longueur de votre mot de passe ou quoi que ce soit. D'accord, c'est plutôt sécurisé. Donc ne vous inquiétez pas si ça n'écrit pas. Hein. Vous effacez tout et puis vous recommencez à écrire votre mot de passe, vous appuyez sur entrée et ça marche. OK, ici on a quatre choix, dont le quatrième on va s'en passer. C'est ne rien faire, hein. sortir du mode installé. Sinon, on a trois choix qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est l'installation autonome. Alors, ce titre peut être alléchant, mais ce n'est pas celui que nous allons choisir. D'accord? Ça comprend en fait tout le système, euh, donc tout ça, ainsi que le serveur de la base de données, tout ça. D'accord, ok. Donc ça, c'est plutôt cool et euh, ça marche bien. Voilà. Euh, nous, on va plutôt s'intéresser au deuxième. Pourquoi? Parce que bah, en plus de faire exactement ce qu'il y a au dessus, eh bien en plus, il paramètre la base de données automatiquement, comme ça, vous n'avez même pas à vous en occuper. Et et enfin, le troisième choix, et eh bien c'est client. Alors client, ça peut servir si vous avez déjà installé, par exemple, une version serveur sur un ordinateur présent sur votre réseau, et du coup, bah, vous voulez vous simplement installer les logiciels pour y avoir accès depuis n'importe quel autre ordinateur, d'accord Donc, dans ce cas-là, il suffira de relier vos logiciels à euh, cet ordinateur qui a déjà installé le serveur. Donc, vous vous faites deux et vous appuyez sur Entrée et ça va installer. Alors pour ma part, je ne vais pas le faire. Une fois que c'est installé Normalement, vous avez de nouveau la possibilité de taper quelque chose. Et donc, vous mettez Reboot parce qu'il vous demande de redémarrer la machine. Vous appuyez sur Entrée ou bien vous passez par la partie graphique ici en haut à droite, éteindre et fermer la session et redémarrer. Et là, ça va redémarrer. OK Donc, une fois que c'est fait, eh ben, c'est cool. Ça veut dire que c'est installé. Super. Alors, maintenant, vous allez pouvoir le tester. OK Et une fois que c'est testé, ben, vous allez pouvoir effectivement voir si ça fonctionne ou pas. Ok, donc là, ben, vous allez mettre un son, et normalement le son est censé sortir. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si le son ne sort pas, et on arrive à la troisième partie de cette euh, j'allais dire émission, euh, il faut savoir quand même que ce logiciel fonctionne avec. Alors attendez, je vais fermer ce dont j'ai pas besoin. Il fonctionne avec Alsa. Euh, vous l'avez vu sûrement dans la description ici, hein, mais vous pouvez le voir également quand vous allez là et vous allez ici et vous avez tous vos logiciels et vous voyez que le, ici vous avez Alsa Config, d'accord Ça vous permet de configurer votre carte son. Ça veut dire que en fait, euh, bah, comme sur tous les logiciels professionnels, si vous avez 10 cartes son, vous pouvez choisir la carte son que vous voulez. Ok Alors vous allez euh, l'ouvrir, vous mettez votre mot de passe parce qu'il va vous le demander et bien sûr vous allez euh, eh bien choisir la carte son qui vous intéresse si jamais ça ne fonctionne pas malgré ça eh bien je vais vous donner une autre technique d'accord donc ok on va partir du principe que maintenant si vous suivez la fin de cette vidéo c'est que ça n'a pas fonctionné et que quand vous allez là maintenant eh bien vous ne pouvez pas lire eh bien c'est pas un souci moi je vais vous montrer comment j'ai fait parce que par exemple ma carte son à moi sur ma machine virtuelle n'est pas compatible ok donc je ferme bien Rivendel et tous les modules qui seraient ouverts hein, donc voyez il n'y a plus rien d'ouvert Ici. Parfait. Et donc maintenant on va aller sur le terminal. Donc Ctrl Alt T ou clic droit à ouvrir le terminal. On va se mettre ici tout simplement. Et la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement, euh, non, on va fermer pardon, le terminal et on va aller ici, d'accord, dans notre explorateur de fichiers. Ok. Une fois que c'est fait, on va descendre en bas et normalement on devait avoir entre emplacements. On va aller directement dans les fichiers système de notre ordinateur et on va pouvoir aller dans le dossier etc. Une fois que c'est fait, vous allez descendre et vous allez chercher Rivendell. Donc, c'est dans les R. Ici rivendell.d Ok, on double clique dessus, ça marche. Et ici, on a rd-default.conf, d'accord. Donc vous double cliquez dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fichier de base, vous n'avez pas les droits. Donc vous pouvez le voir, mais vous pouvez pas le modifier. D'ailleurs, vous pouvez toujours essayer de modifier quelque chose. Par exemple, juste en faisant un, un petit truc comme ça et vous appuyez sur Entrée. Et là, normalement, il devrait vous dire que vous n'avez pas les droits. Ok, si vous avez les droits, bah c'est parfait. Si vous n'avez pas les droits on va faire ensemble une petite manipulation pour vous donner les droits de ce fichier d'accord donc une fois dans ce dossier vous allez faire un petit clic droit et vous allez ouvrir le terminal ok comme ça vous allez être directement dans le dossier on peut vérifier d'ailleurs en tapant pwd et je suis bien dans le bon dossier d'accord une fois que c'est fait on va tout simplement se donner les droits utilisateurs alors pour le faire bah c'est très simple il suffit simplement de taper sudo qui va nous donner une sorte de, de, de droit administrateur de super administrateur d'accord Ensuite, on va taper chmod, donc c'est h m o d chmod, pardon. Et ensuite, on va euh, tout simplement se donner les droits 664. 6, 4, voilà. Et on va lui dire sur quel fichier on veut changer les droits. Donc ici, ce sera rd- default, default. Marquez bien, c'est en anglais. conf, d'accord. Hop, avec un n. Voilà, et là vous appuyez sur Entrée et voilà, il vous demande votre mot de passe. Donc vous mettez le mot de passe habituel, c'est parti et vous voyez que c'est bon. Si vous n'avez pas de message d'erreur, c'est qu'il a réussi à changer droit administrateur. Donc maintenant, soit vous le réouvrez directement ici et vous pouvez donc le modifier sans aucun souci. Euh, J'espère qu'il était fermé quand même avant. Et puis sinon, eh bien vous allez pouvoir passer directement par le, la ligne de commande. Nous, on va passer par la ligne de commande directement, nano. Ici, et je vais taper le nom de mon fichier. Ça va me permettre de l'éditer dans mon terminal. D'accord Donc ici nous c'est rivendel.conf tout simplement. Voilà. Alors, il faut bien écrire sinon on a un souci. Voilà. Et là étonnamment le fichier n'est pas accessible en écriture. Donc j'ai fait une erreur peut-être dans mon nom. Donc je sors de là et qu'est-ce que j'ai fait n nano rd ah oui, c'est parce que ce n'est pas le bon nom. Bah oui, forcément, il n'existe pas. Donc, on va recommencer. Voilà ce qui arrive quand on est en train de parler et de faire la chose en même temps. C'est default ici, .conf, d'accord Hop, désolé, Hop. et ici, on se retrouve bien avec notre fichier. Donc, je vais le mettre un peu en grand pour que tout le monde voit, d'accord mais si vous l'éditez là, c'est pareil. Hein. Je voulais juste m'embêter. On va descendre tout en bas du fichier. On va remonter parce qu'en fait, ce qu'on veut modifier, c'est en bas, essentiellement. D'accord Donc, on remonte un petit peu. On remonte. Et normalement, vous avez ici, vous avez des espèces d'entêtes. Et eh bien, nous, on va chercher Alza. Alza, c'est ici. D'accord. Et vous avez Alza Parameter. Alors vous, vous n'avez peut-être pas cette ligne, d'accord. Pour ma part, il ne l'avait pas mis normalement. Mais back end égal Alza. Et là, il prend en compte l'Alza et ça fonctionne, d'accord. Moi, je vais passer carrément par un autre moteur qui, qui fonctionnera aussi bien avec Ubuntu qu'avec ma machine virtuelle. Et du coup, je vais utiliser Pulse Audio qui est super simple à paramétrer. Donc, je vais mettre, je vais écrire back end égal Pulse Audio. Voilà, comme d'habitude. Il suffit simplement de recopier ce que je vous mets. Et ensuite, vous enregistrez. Donc, si vous avez ouvert la version comme ça bah vous faites enregistrer d'accord ça va enregistrer Ensuite, si jamais vous l'avez ouvert comme moi dans le navigateur, bah vous avez ici toutes les commandes. Donc vous voulez réécrire le fichier. Donc vous, le, le petit circonflexe ici, en fait c'est la touche contrôle. D'accord, contrôle et O. Et donc ça va écrire. Ici, vous voyez, j'ai le nom du fichier. Donc je peux le modifier si je veux, mais il n'y a pas intérêt, puisque moi je veux que ce soit toujours le, mon nom de fichier. Donc j'appuie simplement sur Entrée. Et là, il me dit le fichier a changé. Voilà. Voulez-vous le sauvegarder? Euh, bah oui, je veux le changer, oui, bien sûr. O voilà et là il me dit de lignes écrites parfait donc maintenant ce que l'on va faire eh bien on va tout simplement maintenant euh, quitter donc on va faire un contrôle x et on revient ici tout simplement ok donc à partir de là eh bien en fait on a dit à notre logiciel de ne plus utiliser alza mais euh, d'utiliser pulse audio le seul truc c'est que pulse audio n'est pas forcément installé donc on va l'installer enfin vous allez voir sudo, apt, ensuite c'est pulse audio qu'on veut installer, donc pulse audio, d'accord, et euh, c'est tout, tout simplement. Ah, j'ai oublié le mot install, c'est important ça installe, voilà. Donc ici, on lui dit qu'on veut devenir administrateur. Donc on a les droits de faire ça. Ici, on choisit la librairie. Ici, on lui dit qu'on veut installer. Et ce qu'il y a dans notre librairie, c'est Pulse Audio. On appuie sur Entrée. Et là, donc, bah, il me dit que j'ai déjà la version la plus récente. C'est normal. Euh, je crois que c'est par défaut, de toute façon, sur cette version de Linux. OK. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire un petit sudo euh, apt install. Euh, non peut-être même pas installer on va tout simplement mettre à jour le système update euh, voilà c'est tout et puis on va aussi lui faire une deuxième commande on va upgrade d'accord sudo apt euh, upgrade D'accord, vous appuyez ça, hop, et puis bon, il va faire le travail tout seul. Vous voyez, les lignes de commande, faut pas en avoir peur, même si on ne s'y connaît pas. Hein. Donc euh, voilà, là, il est en train de vérifier que mon système est bien mis à jour, il n'y a pas de souci. Euh, il va voir ça, donc euh, il, il a remarqué qu'effectivement, j'utilisais cette librairie-là. C'est moi qui l'ai installé en plus, hein, mais en fait, j'en ai pas besoin. Mais j'aurais dû la désinstaller peut-être pour pas vous perturber. Donc c'est pour ça qu'il ne la trouve pas toujours. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il hein, n'y a pas de souci. Donc une fois que c'est fait, et eh bien maintenant, vous allez pouvoir euh, donc, euh, avoir votre fichier de Rivendell qui va fonctionner avec Pulse Audio, vous avez installé Pulse Audio. Et techniquement, alors moi, je ne vais pas le refaire parce que sinon ça risque de ne bah, pas marcher puisque mon, mon système à moi fonctionne. Hein. Mais c'est vrai que vous allez devoir euh, taper simplement cette petite commande sudo service. Et ensuite, vous mettez donc euh, Rivendell, puisque c'est le service que vous voulez ré, euh, relancer, d'accord On réinitialise notre service de Rivendell, c'est-à-dire que c'est toutes les choses qui tournent un peu euh, en dessous, comme sur Windows, hein, par exemple, en, en off, en caché, et vous le restart, euh, tout simplement, parce que c'est ce que vous voulez faire. Donc, d'accord Et à partir de là, vous appuyez sur Entrée, et normalement... Si vous êtes bien, si vous avez bien fait le truc, on va voir si j'ai pas tout de traqué chez moi, mais théoriquement, ça doit fonctionner. Donc vous allumez Rivendell, vous allez voir euh, le logiciel se lancer tout classiquement. Voilà, vous allez attendre un petit peu. Il se connecte au service et on appuie. Et je n'ai plus de son du tout parce que j'ai joué avec les choses. Donc ça, c'est pas bien du tout. Voilà, par exemple. Là j'ai plus de son, ah si ça y est, il a mis un petit peu de temps à démarrer, c'était sûrement le temps qu'il lance les services, donc c'est pas un souci, j'ai bien du son. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci, hein. malgré ce que j'ai fait, ça ne m'a pas tout cassé. Donc tout va bien, ouf, heureusement. Et bien voilà, euh, la prochaine vidéo ce sera moins intense, hein, parce que là évidemment j'ai voulu euh, parer un petit peu à, à toutes les questions que vous allez pour me poser, j'imagine, surtout si vous ne connaissez pas Linux. Donc, c'était dense, c'était intense. Mais voilà, la prochaine fois, on va se concentrer un petit peu sur le logiciel et on va s'amuser à rentrer des sons, à leur mettre des, des intros, des choses comme ça, ou pourquoi pas à commencer à régler notre proc. Bon, on verra ça. Ne vous inquiétez pas. Ce sera dès la semaine prochaine. Pensez donc à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Si vous avez aimé cette longue vidéo, bah, pensez à la liker, pensez à la partager également. Plus on est de fou, plus on rit. Et à tout bientôt sur Apprenez la Web Radio et on découvrira ensemble Rivendell tout simplement. Ciao, ciao